Et bonjour les amis, ici TRD qui est de retour dans Hearthstone pour une nouvelle présentation de deck, un deck démoniste, mais pas pour débutants, car il vous faudra des cartes des deux nouvelles aventures, enfin des deux aventures de Hearthstone, c'est-à-dire Naxxramas et le Mont Roche Noir. Alors on passe tout de suite à ce deck en question, voilà, qui est un deck Zoo. Ça veut dire, la plupart des cartes ne sont que des personnages, des serviteurs. Alors, le decklist se compose de cette manière. Il vous faudra donc deux puissances accablantes, deux marcheurs du vide, deux sergents grossiers, une chouette bec de fer, deux jongleurs de couteaux, deux œufs de nérubien. Donc ça, ça fait partie de l'aventure Naxxramas. Deux rampantes hantées, également que l'on acquiert dans l'aventure Naxxramas. Un chasseur de gros gibier. Deux chefs du gang des Diablotins, qui eux font partie de l'aventure du Mont Roche Noir. Si vous n'avez pas suivi mon aventure, je vous invite à aller la regarder. Ensuite, il vous faut deux terreurs du vide. Deux éruptions de diablotins, deux défenseurs d'Argus, deux implorateurs du vide, deux gardes funestes, le chevalier noir, donc là c'est déjà une légendaire, le docteur Boom, qui est aussi une légendaire, le seigneur Jaraxxus, qui est une légendaire du démoniste, et le géant des mers. Voilà les amis pour la decklist. Nous allons maintenant passer au test en partie. A tout de suite. Gul'dan contre Rexxar. Voilà les amis. Commence. Votre âme sera à moi. Nous affrontons donc un chasseur. X-Fire Gamer. Alors ça c'est non et ça c'est non. Allons voir ce que ce deck vaut, les amis. On va attendre que l'adversaire ait choisi sa main. Aujourd'hui de préférence, ça m'arrangerait fort. Coucou. Ah, il a changé trois cartes. C'est parti. Bienvenue. Voilà, politesse. Pourquoi cette belle... Et c'est parti les amis. Voyons ce que ce deck vaut face à un chasseur. Ah, déjà une grosse bébête d'entrée de jeu. Alors... Très bien, À l'attaque. Travail terminé. Oh la vilaine. Oh la vilaine bébête. Oh, déjà? Non, merci. Bon, j'en ai que 3, donc je joue ça ou ça. Bon, déjà. Voilà. Bon, ma foi. Ah bah, est terminé. Voilà. Ouais, 3 toutous.
Alors, donc il va m'attaquer pour 3 avec ses toutous. Très bien. Venez-vous battre, vermine! Voilà. Et on replace. D'abord, j'attaque ou. Bon. Très bien. Bon sang. Voilà. Terminé. Bonne. On a déjà plus que deux cartes en main. C'est vrai que ça va vite avec un deck zoo. Hein. Ou vite, très vite sa main, les amis. Ah bah dis donc, on t'en a plus maintenant. Vas-y, t'aimes bien les bébêtes, hein. Tu es un maître chien. D'accord. Aïe. 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 Ils ont du mordant, hein, ces bébêtes. Très bien. Ah, les petits œufs de Nérubien. Bon, allez, hop. Un peu tard, mais... Ah, il a que des 1-1. Bon. Très bien. Alors... Et j'ai pioché une carte. Ah bah, il est terminé. M'intéresse pas pour le moment, ça. Ah ben voilà. Oui, pistache. Eh oui. Oh. Oui. Eh oui. Bon, il n'y a plus de créatures, mais... Je suis bien tenté de placer ça. Mais que va-t-il m'enlever? Allez, tant pis, les amis. On y va. Ah, ben voilà. Oups. C'est parti. Continuons. Plus qu'une carte à cause de ça. Donc je vous rappelle, je vous dépose deux cartes aléatoires. Ah, encore une sale bête. Oh, oh, tiens, ça m'arrange ça. Ça m'arrange. Bon, je vais piocher deux cartes. Enfin, une carte. Terminé. Voilà, tout compte fait, la chouette n'a pas servi à grand chose à part annuler son râle d'agonie. Oh, provocation. Ah, qu'est-ce que tu nous fais là-dessus? Ah, évidemment. Bon. Oh, la chouette comme sur la chouette comme ça. Venez-vous battre, vermine ! Au revoir. Ah, une végie. On va repiocher une carte, les amis. Ah bah, il est terminé.
Voilà. Alors, deux cartes en main, que va-t-il faire? Oh, je cherche à chaque fois que vous invoquez une bête, c'est magnifique. Ah, une flèche dans le genou. Dédicace à Spartacus. Ah, c'est bien, mais il a plus de... Bon. Bon. Bon, je vais me débarrasser de ça quand même, les amis. Par contre, je pioche une carte. Oh. Bon, ben, au tour suivant, il est mort s'il ne fait rien. Wow. Le roi Muki. Ah, non, c'est Kanzia ça. Non, le roi Crush. Wow. Aïe. Ouf. Heureusement que... Bon. Bah écoute. Pardon. Et voilà les amis, premier match, première victoire avec ce démoniste Zo. On se donne rendez-vous pour le prochain match. Gul'dan contre Rexxar. Voilà les amis, deuxième match. Et encore une fois, un chasseur. Cette fois-ci, il s'agit de Johan Grosnil, si je me trompe pas. Alors, non. Voyons voir s'il peut faire le doublé face à un chasseur. Bon, le géant des mers, ça c'est... C'est un peu foutu d'avance. Et je vais rien pouvoir faire au premier tour. À moins de piocher quelque chose d'intéressant. Oh, certainement pas, ben, c'est mal embarqué les amis. Hein. Ah là là, tout ce genre de jeu commence dépend toujours de votre main. Hein. Enfin, on verra ce qu'il va en donner. Ah oui. Bienvenue. La moindre des politesses, les amis. Saluer son adversaire. Vas-y, si tu me mets d'autres. Cette pomme sur votre tête. Je connais. Oh là 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 là. Bon bah écoute. Mettez cette pomme sur votre tête. Travail terminé. Ça paraît bizarre, mais oui, j'ai la même chose que toi, ma chère. Je suppose que c'est une femme, vu le pseudo. Boum. Ouais. Allez. Boum. Boum, allez. Bon. Ah ben, écoute. On va ton jongleur de couteau. Bon, ça me sert à rien. Pour le moment. Ici. Ouais. Oh, celle-là en plus. Bon ben, voilà. Aïe. Et que ça pique un jongleur de couteau. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre là-dessus? Bon, on va faire ça, hein. Venez-vous battre, vermine. Bah oui, mais... Bon, tant pis. Ah non, plus un. Bon, tant pis, je pioche une carte. Et je sais rien faire. Ah là 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 là. Mal embarqué, les amis. Très mal embarqué. J'ai une très mauvaise main et je ne pioche
Venez-vous battre, rien d'intéressant. Ah oui, évidemment, ça. Ah, je me sens sale. Ah là 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 là. Oh là là, je suis déjà à 10. Oh, oh, oh. Ouais, c'est bien les implorateurs, mais bon. Viens du vide. Venez-vous battre, vermine. Travail terminé. Les amis, je crois qu'elle est faite, hein. 4, 6, 9, 11. C'est gentil, mais ça sert pas à grand chose. Voilà. Et voilà, c'est une défaite, les amis. Très mauvaise main, très mauvaise pioche. Allez, on tente un troisième. Gul'dan contre Thrall. Le marteau du destin, votre âme sera à moi. Voilà qui change, les amis. Pour commencer, je ne démarre pas la partie. Je joue contre un chaman. Mon adversaire s'appelle Phobus. Et ma foi, non, le garde funeste, non. Mais ça, c'est mieux. Voilà. Bienvenue. Ah. Ah, enfin quelqu'un qui répond, qui est poli. Travail terminé. Bon, voyons si ça peut faire mieux que le match précédent. Ouais. Venez vous battre, vermine. Voilà. Bon, déjà 3 sur table. Pouvoir héroïque, oui. Décidément. Ah, ben voilà. Les œufs de Nérubien bien. Alors, toi, on va voir. Et ma foi... À vos ordres. On va attendre avant de jouer le reste, les amis. T'en as de la chance tout le temps à avoir la provocation. Au revoir. Très bien. Très bien, très bien. Bon. Bon, les amis. Alors, plus 4 et mais à la fin du tour. Donc, on va déjà faire ceci. À vos ordres. On va se remettre une autre provocation. Pourquoi cet appel ? Et piocher une carte. Oh. Docteur Boom. Oh là 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 là. Oui. Et encore la provocation. Ah oui. Bien. D'accord. Oh oh. Est-ce que c'est le moment de le jouer? Je dois compter. Le 2 est là pour tuer celui-là. Bon, on va déjà faire ça. Non. On fait ceci. Puis on attaque. À vos ordres, à vos ordres. Alors toi, tu ne resteras pas sur table. Et tu te prends un point. Travail terminé. Voilà. On va quand même s'y poser, hein, le géant des mers.
Ouais, provocation. Ah non, c'est plus la provocation cette fois-ci. Ça change. C'est bien de varier son jeu. Je suis sûr que ça ne t'arrange pas, mais bon. Voilà les amis. Vite fait, bien fait. Ben voilà, c'était donc TRD dans Hearthstone pour la présentation du deck Demonist Zoo. Je vous dis à la prochaine les amis. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Peace.